à tous. Nous arrivons aujourd'hui à la quatrième leçon sur le livre de Job. Et soyez bénis, chacun d'entre vous, pour votre assiduité, votre fidélité à ces rendez-vous que nous avons autour de la parole du Seigneur, devant la table du Seigneur pour étudier sa parole. Prions ensemble. Seigneur, tu es la source de la sagesse. Tu es la source de la vie, tu es la source de toute inspiration. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tout don parfait vient d'en haut. Tu es le seul, Seigneur, qui est le garant de la vie, qui est le garant de la sagesse, qui est le garant de nos bénédictions. Tu es notre bienfaiteur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour les chemins par lesquels nous passons, qui concourent au bien de notre vie, au bien de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour les épreuves que nous traversons, qui nous donnent de nous racheter, de nous rapprocher de toi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de la condition humaine et de la sagesse de Dieu. Le livre de Job est également appelé le livre de la sagesse. La sagesse, parce que ce livre est bien sûr écrit en prose, mais elle aborde avec une telle finesse, avec beaucoup d'art, elle parle de la sagesse. Donc la sagesse, d'où vient-elle et où se trouve l'intelligence? Ce sont des questions qui sont posées dans ce livre. Nous devons retenir que la pensée de l'homme peut cheminer, peut faire un chemin pour aller chercher la sagesse, jusqu'au moment où elle va finalement découvrir que sur la terre, la sagesse n'est nulle part d'autre que dans le Seigneur. L'homme découvre en fait qu'on ne peut acheter la sagesse et on ne peut la saisir parce que Dieu est la seule source de la sagesse. Le livre de Job évoque la condition humaine que nous allons voir aujourd'hui, ainsi que la sagesse et la puissance de Dieu, qui est le fruit de l'expérience et du discernement. Donc, nous allons principalement nous arrêter sur le chapitre 9, et nous allons voir la condition générale, le sort de l'homme sur la terre, le sort de l'humanité, quelle est la vie de l'homme, quelles sont les épreuves de l'homme sur la terre. Premièrement, la vie de l'homme sur la terre est un combat. Nous lisons dans Job 7, du verset 1 à 4, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Donc, tout de suite au premier verset, Job compare la vie, notre vie sur terre, au sort d'un soldat. Donc, quand on parle de soldat, on parle de bataille, de combat. Au verset 2, « Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. » Donc nous avons ici une description de la condition de l'homme sur la terre, de son sort sur la terre. Et certains pensent que le vrai bonheur se trouve ici sur terre. C'est ce que Eliphaz, l'ami de Job, essaye d'admettre. Donc si Dieu rémunère l'homme sur la terre pour ses bonnes actions ou pour ses mauvaises actions, cela veut dire que tout se paye ici-bas. Mais par contre, Job, lui, va rejeter ce discours de son ami et il va prouver maintenant que le sort de la vie d'un homme, notre vie présente, n'est pas la finalité en fait. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la finalité. Nous avons un chemin à faire, que Job va démontrer que la vie est une route, que la vie est un chemin. Et que dans le futur, il y aura nécessairement des mouvements et des temps de repos.
Donc, il va comparer maintenant la situation et la condition des hommes sur la terre à celle des militaires, en fait, qui militent pour tendre vers la victoire. C'est un combat, la vie de l'homme sur la terre, pour dire que notre vie présente, elle est menée de manière à ce qu'on puisse remporter la victoire. Et il faut se battre pour devenir vainqueur. Il compare aussi la vie humaine aux mercenaires. Un mercenaire est un combattant de métier qui est recruté par l'État en moyennant un financement assez important. Et ce recrutement, ce mercenaire va venir s'engager dans un combat pour un temps. Pour une cause peut-être politique et sera payé beaucoup plus que tous les soldats. Il va pas suivre les mêmes procédures que les autres militaires. Voilà, le mercenaire est là et là un salaire assez important, assez énorme qui l'attend à la fin de à la fin de son travail. Donc il y a deux choses en fait qui s'imposent dans la vie ici sur Terre. La première chose, il faut résister aux obstacles et aux dangers. Voilà ce qu'il veut dire en disant que le sort de l'homme sur la Terre, c'est celle d'un soldat. Et nous savons qu'un soldat doit résister, doit endurer, doit supporter, doit tenir ferme, doit surmonter les choses. Donc, il y a deux choses qui s'imposent à l'homme sur la terre. La première, c'est que il doit résister aux obstacles et aux dangers, d'où la comparaison militaire. Et deuxièmement, la chose qui s'impose à l'homme, c'est le salaire, c'est la récompense. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il, que ce soit ses actions, ses décisions, c'est dans le but de recevoir un salaire, une récompense, une rétribution. D'où la comparaison maintenant avec le mercenaire qui attend un salaire assez important dans sa mission. Et par ces deux exemples, nous pouvons comprendre que la vie présente, la vie sur terre est soumise à la providence divine. Car les soldats militent sous un chef, et le mercenaire, lui, attend son salaire d'un patron. Il est manifeste que le chef de l'armée, maintenant, n'épargne pas ses soldats des périls et des travaux et des entraînements et des difficultés. Donc, un chef de l'armée ne va pas épargner ses soldats d'être entraînés, être formés, d'être équipés. D'être dans les périls, dans les dangers, vont pas être épargnés dans l'armée. C'est ce qu'exige la profession militaire. Donc, ils sont occupés à faire des gros travaux, ils sont exposés à des dangers, mais après, ils sont honorés. Ils sont honorés par la victoire, par leur courage. De même, un père de famille va confier des gros travaux aux meilleurs ouvriers dans sa famille. Et quand vient la remise des salaires, il va gratifier davantage ceux qui auront travaillé, ceux qui auront été persévérants. Donc Dieu ne va pas non plus épargner ses bons ouvriers. Si dans l'armée, un chef de l'armée n'épargne pas ses soldats des périls, des obstacles, des dangers, pourquoi est-ce que Dieu devrait épargner ses bons ouvriers des épreuves? Des difficultés dans le but de les amener à la victoire, dans le but de les rendre meilleurs, dans le but de les amener au salut, à la vie éternelle. Donc, Dieu ne nous épargne pas non plus dans ce combat de la vie que nous menons, ne nous épargne pas des adversités, des épreuves, mais il va nous permettre de passer par tout cela pour fortifier notre foi et la récompense, la rémunération, elle est à la fin. Maintenant, la position d'Éliphaz, qui est l'ami de Job, est contradictoire parce que lui pense que les justes ne peuvent pas avoir des épreuves.
Il pense que si tu es fidèle, si tu es intègre, si tu es juste, tu peux pas être éprouvé. Pour lui, les épreuves, les difficultés, sont réservées à ceux qui font le mal. C'est une punition, en fait, de Dieu. Uniquement. Or, nous expérimentons le contraire dans la vie. Et que nous soyons des bons ouvriers ou des mauvais ouvriers, nous passons dans un combat ici sur Terre. La vie sur Terre est un combat. On expérimente le contraire. Que nous soyons bons ou mauvais, le soleil brille pour le méchant comme pour le bon. Donc le sort de l'homme sur la Terre est celui d'un soldat. Et la finalité dans tout cela, c'est la victoire. Et le salaire, la récompense. L'homme maintenant, dans ce combat, dans son chemin ici bas sur la terre, est souvent insatisfait. Parce que quelquefois, il ne voit pas la fin des choses, il ne voit pas la finalité des choses. Donc, il est insatisfait du présent et il cherche sans cesse, le futur. Mais on peut comprendre cela dans le sens que lorsque la tristesse est là, on a envie de se projeter vers l'avenir. On pense à un avenir meilleur. On pense à un futur meilleur, plus joyeux. On pense à un bonheur futur parce que la tristesse se manifeste dans notre présent. Mais quelquefois, on n'a pas le temps d'apprécier le présent à cause de la tristesse. Mais par contre, le contraire, c'est que quand il y a la joie, quand il y a le bonheur, on n'a pas envie de quelquefois de se projeter vers le futur. On a envie de saisir le temps présent parce que la joie est là et le bonheur est là. Maintenant, dans la vie, il y a deux choses qui n'arrivent pas à satisfaire l'homme pour deux raisons. La première, c'est la souffrance, les épreuves sur cette terre, d'où on a l'exemple qu'on a lu tout à l'heure de l'esclave que la chaleur accable et qui désire avoir de l'ombre pour se rafraîchir. L'insatisfaction de l'homme est due à la souffrance, à cette chaleur, à ce travail, ce dur labeur qui accable l'homme. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le manque de la perfection qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas. Et on cherche le bien parfait, on cherche le bonheur parfait. Et ce sont l'une des raisons pour lesquelles l'homme est insatisfait. Il est insatisfait premièrement à cause de la souffrance, à cause de la chaleur, les difficultés qui l'accablent. Et deuxièmement, l'homme est insatisfait parce qu'il est à la recherche de la perfection. Et tant qu'il n'a pas saisi le bien parfait, bah il est insatisfait. Insatisfait du présent, sans cesse à la poursuite du futur. Et il attend la fin de la journée, il attend la fin du mois, il attend la fin de l'année, il attend la fin de la semaine pour recevoir son salaire, sa récompense. Maintenant, à cause de l'insatisfaction, à cause de cette recherche, de cette quête du bonheur parfait, du bien parfait, les nuits maintenant, parce qu'on le lit tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure, même maintenant, les nuits qui sont pour nous destinées au repos vont être compté comme difficile, comme une affliction pour Job, parce que pour lui, cela retarde la poursuite de la fin de sa souffrance. Donc même le fait de dormir, il a l'impression de perdre du temps, que cela retarde la fin de ses souffrances, parce qu'il dit, quand la nuit arrive, j'ai hâte que le jour se lève. Et quand le jour se lève, il a hâte que la nuit arrive. Et finalement, il ne trouve pas du repos. Comment et pourquoi ces nuits sont-ils difficiles? Il l'expose en disant que si je me mets au lit, c'est-à-dire quand vient le temps de dormir, je me dis quand viendra le lever du soleil. Il désire déjà voir le jour alors que c'est le moment du repos. Et de nouveau maintenant, quand le jour est là, il attend le soir pour pouvoir se projeter vers le futur. Et cela est commun à tout homme qui vit sur cette terre. Mais les hommes le ressentent, certains avec plus d'intensité et d'autres avec moins, d'autres sont moins affectés. Deuxièmement, lorsqu'on avance un peu plus loin dans
le chapitre 7 de Job, on arrive au questionnement de Job sur Dieu, au questionnement. Job questionne Dieu à cause des difficultés, des épreuves. Les questions vont être posées à Dieu directement. Job va poser des questions à Dieu. Donc nous lisons Job chapitre 7 du verset 17 à 21. Il pose la question à Dieu en disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Au verset 18, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire? Gardien des hommes, pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras, je ne serai plus. Job montre par ses questions que tout ce qui lui reste à faire, c'est d'espérer de Dieu la fin de ses souffrances. C'est tout ce qui lui reste à faire, espérer la fin de ses souffrances. Il parle d'abord au sujet de la faiblesse de l'homme, des limites de l'homme, de la petitesse de l'homme, en disant que l'homme est si petit, si insignifiant. Comment est-ce qu'un Dieu si grand, si puissant, qui a créé l'univers, peut prendre garde à lui, peut venir le visiter tous les matins? C'est comme dans le psaume 8 où David dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as couronné de majesté. Si Dieu a créé les étoiles, le soleil, les montagnes, les mers, les océans, nous qui sommes des humains si petits devant la grandeur et la puissance de Dieu, comment est-ce qu'un Dieu si grand peut prendre tant de soin pour nous? Comment est-ce qu'il peut nous visiter? Comment est-ce qu'il peut nous visiter le matin, nous visiter le midi, nous visiter le soir? Comment est-ce qu'il peut tant garder ses yeux sur nous? Comment est-ce qu'il peut tant prendre soin de nous? Quel est cet amour envers l'homme? Il le montre en disant, tu le visites dès l'aurore. Voilà l'amour que Dieu a pour l'homme. À savoir que depuis sa naissance, il fournit à l'homme ce qui est nécessaire à la vie, ce qui est nécessaire à sa croissance, sur le plan physique et spirituel. Ensuite, Dieu l'éprouve par les adversités, pour éprouver sa vertu, sa fidélité, son intégrité. Maintenant, une autre question de Job vient et il dit, jusqu'à quand m'accableras-tu? Il veut dire par là que le temps de l'homme est court sur la terre et ses jours sont comptés. Jusqu'à quand m'accableras-tu? Une autre question encore vient, quand me laisseras-tu en repos pour que je puisse avaler ma salive? Et nous savons que lorsque nous parlons, nous avons besoin d'un temps de pause, de repos pour pouvoir avaler notre salive. Et souvent, pour certaines situations, nous disons que nous avons besoin que ça passe. On a besoin d'avaler les circonstances qui sont là ou les nouvelles que nous avons entendues. On a besoin d'un temps pour avaler cette salive-là. Et Job demande à Dieu de lui laisser même le temps de pouvoir avaler sa salive, tant les épreuves sont difficiles. Il compare sa vie à ce court instant, comme s'il disait s'il pouvait remettre à plus tard les choses, pour lui laisser un peu le temps d'avaler sa souffrance. S'il pouvait même remettre à plus tard certaines souffrances, pour lui laisser le temps d'avaler ne serait-ce que sa salive. Troisièmement, Job, au chapitre 9, nous parle de la sagesse de Dieu. Nous lisons du verset 1 à 12. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il pouvait contester avec lui sur 1 000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la puissance, qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil
et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Amen. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il marche sur l'eau. Il marche sur les flots de la mer. Et nous avons vu Jésus marcher sur l'eau. Il crée la grande ourse, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Job, dans ce passage, montre premièrement qu'il n'entend pas du tout contredire la justice de Dieu, la justice divine. Il ne veut pas contester contre Dieu, comme ses amis le soupçonnent de le faire. Personne ne peut avec assurance contester avec Dieu, contester contre Dieu. Maintenant, il y a deux sortes de contestations. Il y a la première contestation qui se fait dans la discussion. Et la deuxième contestation se fait dans la lutte. Donc la première contestation, on peut contester contre Dieu par des discussions. Et également, on peut contester en luttant contre Dieu, en luttant contre ses décisions, en luttant contre sa volonté, en luttant contre les choses qu'on ne comprend pas, en luttant contre sa parole, on peut contester de cette manière. Mais Dieu dépasse, surpasse chacune de ces contestations. Sa puissance et sa sagesse dépassent toute puissance et sagesse humaine. Qui lui a résisté et a pu obtenir la paix? Personne. Mon ami, mon frère, ma sœur, on ne peut contester avec Dieu. On ne peut pas lutter contre lui. Il n'y a pas de paix dans cette démarche. Même si tu as prié, même si la réponse tarde, même si la situation par laquelle que tu traverses semble ne pas changer, on ne peut pas contester ni discuter avec Dieu. Il est souverain, il est fidèle. Dieu n'explique pas tout, mais il veut qu'on avance par la foi. Dieu ne va pas nous donner toute l'équation. Il va pas nous donner toutes les réponses auxquelles on attend. Il va pas tout nous expliquer. Il ne va pas expliquer la cause de toute chose, de toute souffrance, de toute épreuve. Mais il veut qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance en lui faisant confiance. Il veut qu'on avance en ayant foi en sa parole, en ayant foi et confiance en lui. C'est donc ici un indice évident que la puissance de Dieu excède toute puissance humaine, que personne ne peut avoir la paix en résistant à Dieu. Le seul moyen d'avoir la paix, c'est l'obéissance avec humilité. Les impies résistent à Dieu et ne peuvent avoir la paix. Il n'y a pas de paix lorsque l'on résiste à Dieu, lorsqu'on résiste à ses commandements, lorsqu'on résiste, on refuse d'obéir parce que pour telle raison, on n'a pas la paix sur ce chemin. Et dans ce passage, il nous est montré que la puissance de Dieu dépasse les forces même naturelles, c'est-à-dire la terre, la mer, les montagnes. Sa puissance bouge les montagnes. Et c'est ce qu'il nous demande de faire, de transporter les montagnes dans la prière. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Tu fais des merveilles sans nombre. Dans les évangiles, il est dit que tout ce que le Seigneur a fait sur la terre, il n'y a pas un seul livre qui peut contenir toutes les merveilles qu'il a fait, tous les miracles qu'il a accomplis. Il est si puissant, si grand. J'aime lire le livre de Job. C'est un livre, c'est vrai, qui nous montre la souffrance, la condition humaine, mais par cette souffrance, elle nous révèle en fait la grandeur et la puissance de Dieu, qu'on ne peut mesurer, qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut questionner. Elle est puissante. Oh, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Et quand on lit le livre de Job, on se rend compte de ce que nous sommes si petits et que nous avons un Dieu si grand et si puissant. Même dans la souffrance, il est là. Et après avoir montré la puissance divine dans son action,
Job va montrer maintenant la profondeur de la sagesse divine. Et dans cette démonstration de la sagesse divine, il commence par des choses, en parlant des choses stables, et également du pouvoir que Dieu a de modifier l'état des choses. Seul Dieu peut mesurer les cieux. La sagesse de Dieu se recommande en trois choses. Dieu est le seul à pouvoir donner aux cieux leur dimension. Il est le seul à pouvoir donner aux cieux, au ciel, sa dimension. Deuxièmement, la sagesse de Dieu, il peut mettre dans l'ordre même les choses incertaines, même les choses flottantes. Dieu est dans sa sagesse, peut tout remettre dans l'ordre. Tout se soumet à son gouvernement. Il est celui qui marche sur l'eau, il est celui qui marche sur les flots de la mer. Et en conclusion pour cette leçon, cette quatrième leçon, on peut lire Job 9 du verset 12 à 21. Voici, il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il s'en va, je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Même l'orgueil s'incline devant Dieu. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force? Il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Job, il veut prouver que son intention n'est pas de contester Dieu. Il le montre par plusieurs exemples, en parlant de la profondeur de la sagesse divine dans les choses naturelles et dans le gouvernement des humains, tout simplement. Dieu vient vers les hommes et leur accorde ses bienfaits en éclairant leur intelligence. Dieu lui-même viendra et il sauvera. Dieu parfois permet les tribulations, les épreuves pour notre salut. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi Dieu vient vers nous. Dieu nous donne le salut, mais quelquefois on ne le voit pas tout de suite parce qu'on ne comprend pas ses actions, on comprend pas, on n'a pas tout le puzzle réuni, on a quelques schémas, mais comme tout n'est pas encore réuni, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire avec nous. Mais il est en train de travailler pour notre salut. Il est en train de travailler pour nous changer. Il est en train de travailler en notre faveur. Toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Job aime Dieu et tout ce qu'il traverse concourt au bien, concourt à son bien. Dieu interroge les hommes et les oblige à considérer leur conscience, mais il les interroge de plusieurs manières. Il interroge intérieurement, parfois par des inspirations, des aspirations, et parfois il nous interroge de l'extérieur, en provoquant des épreuves intérieures ou externes. Et c'est pour que nous puissions nous remettre en question. Voilà la fin de notre leçon pour aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu travaille en notre faveur. Tous les événements que nous traversons, les épreuves par lesquelles nous passons, plaçons notre confiance en Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous avons vu que l'année 2020 a été assez exceptionnelle. Elle nous a surpris. Nous avons été surpris par la pandémie. Nous avons été surpris par une maladie que nous n'aurions jamais pensé voir ou vivre. Le monde a changé, la société a changé. Nos relations dans la société ont changé. Nous portons des masques aujourd'hui. Nous avons vu plusieurs personnes partir, mourir
à cause du Covid, à cause de la maladie. Nous voyons les médecins, les scientifiques, les hommes chercher des réponses. Nous voyons les gouvernements du monde entier chercher des réponses, chercher des solutions. Le monde change, les épreuves sont là, Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Et nous commençons, nous sommes en début d'année 2021, nous sommes arrivés presque à la fin du mois de février et nous avons déjà entamé 2 mois de cette nouvelle année. Et Dieu nous garde, Dieu nous préserve, Dieu nous protège. Nous avons placé notre confiance en Dieu. Nous avons placé les 10 prochains mois de l'année qui reste entre les mains du Seigneur. Et nous comptons sur lui. Nous gardons nos yeux fixés vers lui. Nous voulons prier. Nous voulons lui demander la sagesse. Nous voulons lui demander le discernement. Nous voulons lui demander d'être éclairé. Nous voulons marcher très près de lui. Ne pas lâcher sa main. Les temps sont difficiles, le Seigneur revient bientôt. Nous voulons porter notre robe blanche. Nous voulons veiller sur notre salut. Nous voulons le servir. Nous voulons tendre nos bras vers lui, nos mains vers lui. Nous voulons tourner nos cœurs vers lui. Faisons attention au temps que Dieu nous prête. Faisons attention au bien que Dieu nous fait. Soyons reconnaissants pour la vie. Soyons reconnaissants pour chacun de ses bienfaits. Il y a tant de choses, tant de bienfaits dont nous ne sommes même pas conscients. Il y a tant de choses qui se fait dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Dieu travaille pour notre bien. Dieu travaille en notre faveur. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Cherchons-le tandis qu'il est prêt, tandis qu'il se trouve. Cherchons sans cesse sa face. Job avait dit, oh, si je savais où le trouver. Nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. Nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. Demeurons dans sa présence. Demeurons dans sa présence. Peu importe les épreuves, peu importe les blessures, peu importe les questions, peu importe les difficultés, peu importe les montagnes qui sont là, les défis qui sont là. Restons dans sa présence, demeurons dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, soyez richement bénis. Nous allons continuer la leçon 5 la semaine prochaine sur Job. Il est possible que nous puissions conclure par la leçon 5. Nous allons maintenant aller vers la fin du livre de Job, qui est très très intéressant, très très riche, très puissant. Et préparons-nous pour cette étude biblique. N'oublions pas nos rendez-vous cette semaine, mercredi, réunion de prière à 20h30, toute l'église. Jeudi, réunion de prière des sœurs à 20h30. Vendredi, nous avons notre enseignement sur la délivrance à 20h30 sur YouTube par notre pasteur. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.